Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. Nous retrouvons notre colonie avec l'ennemi du jour, le vaisseau défoliateur. Nous avons une chambre indigne qu'il va nous falloir gérer. Je ne sais plus ce que je m'étais dit, ça fait un certain temps que j'ai enregistré le dernier épisode. Je crois que je m'étais dit de la faire par là. Je m'en fiche. Pourquoi est-ce que Célestine a besoin de soins? Ça devrait le faire. Ah oui, j'avais une visitation peut-être. Non, je sais plus. Hop là. Donc tout le monde retourne au pieu. Célestine. Ah non, j'avais eu le. Oui, ok. Célestine est blessée. Quand Célestine est blessée, c'est Onyx qui va la soigner. Hop là. Tac. Et voilà, donc j'ai mon chevalier, Ardarin le chevalier. C'est ça, tac, hop, chevalier, c'est ça. Alors, il lui faut quoi comme chambre? Monsieur Ardarin, maintenant. Chevalier. Tant qu'à faire, je vais directement chercher le comte, exigeant de la chambre, 30 cases. Finement couvert, lit royal, table de nuit, commode rideau. 30 cases. 30 cases. Tac. Ça fait quoi? 30, c'est 6 par 5 minimum. Bon, ce sera largement suffisant. Allez. Miné, du coup, tac. Tac. Hop. Non, je vais pas faire le trou ici. Tac. Cancel, hop, comme faire le trou ici. Tac. Et on commence à creuser. J'aurais besoin donc d'une petite porte structure. Une petite porte en calcaire. Tac, tac. Ah! Ouais, Célestine est quasiment complètement soignée. Le vaisseau défoliateur, on va lui défoncer sa chevrotine. Il faut que... J'ai quoi? J'ai... 4 piquiers, 4 lanciers, et j'ai qu'un seul faucheur. Donc il va me falloir. Il va me falloir des structures en granit. Est-ce que j'en ai suffisamment? Granit, granit 87, ça ira pour ce que je veux faire. Donc, tu me mets. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai combien de tireurs? Ça commence ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mot d'amour. Mot d'amour. Demande d'aide. Soldat. Bombardement. Alors, tu pourrais faire des mots d'amour avec... entre... Par exemple... Ardarin.
qui est-ce qu'Ardarine va vouloir pécho? Il est affreux. Ah. Aimable et tireur prudent. Ouais, Dame d'Amitz, par exemple. Hein. Femme taupe, psychopathe, robuste. Hop. Tac. Ouais, faut que j'attende qu'il se réveille. Comme ça. Attends, est-ce qu'il y a déjà des gens avec qui s'entendent bien? Alors, il a un fils, une petite fille. Zmeuil ne l'aime pas. Oh là là. Ouais, mais c'est parce qu'il est chum. Smarty s'entend bien. Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels il a pas trop de soucis? Alors, pourquoi est-ce que... Ça en fait des gens qui connaissent donc. Ah oui, c'est genre un peu... Attends. Où est-ce qu'il est, Ardarine? Ah, il est là, oui, c'est ça. Défiguré, horriblement moche, ouais, quand même. Putain. Bon, je suis pas sûr qu'il va pécho. Il va faire pécho les autres, mais. Alors, Dame Namit, du coup, avec qui est-ce que tu te sens bien? Personne. My God. Avec Papillote éventuellement. Ouais, parce qu'en même temps, Dame Namit, c'en est une qui a tout le temps. Dame Namit Papillote. Ça pourrait le faire. C'est les amoureux, c'est bien parce que. Ami, ami, ami. Ouais, bon, tu vas me tenter ça, Ardarine. Tu vas essayer de. Dame Namit hop, entre Dame Namit et Papillote. Papillote n'est pas du bon sexe. Ah, c'est aussi une femme. Pardon, Papillote. Alors, Dame. Ah non, attends, c'est Poslovette qui était tout le temps. Tout le temps vénère. Là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Pourquoi ça va beaucoup mieux? Allez, en catharsis, d'accord. Alors. Bah, je vais mettre en pause, je vais chercher le couple idéal, et puis on verra ensuite. Ok, donc j'ai trouvé le candidat idéal. Ce sera Poslovet avec Laurie. Voilà. Conversion. Papillote. Ah, très bien, Barra. Barra est converti. Barra n'est pas content. Mais Barra est converti. Recruté. Alors, est-ce que Ratarine a utilisé son mot d'amour? Oui. Il est donc désormais en train de faire de récupérer des points de concentration. Mais il est l'heure. Tiens, va bouffer un morceau, Coco. Ardarine, tac, va consommer, tac. Comment terminer? Il faudrait qu'il y ait un piano. Ah. Alors, où es-tu, petit piano? Où es-tu, petit piano? Pourtant, normalement, un piano, ça se voit. Hein. Normalement, ils auraient dû le déposer par là. Bon, je remets en pause à la recherche du piano caché. C'est bon, j'ai trouvé le piano caché. Hop, il était ici. C'est un piano qui est excellent. Et donc, il rend parfaitement sa place dans la salle du trône. Même si ça prend un tout petit peu de place. Ouais, un piano.
Encombrant. T'es un peu encombrant. Ce sera un peu en plein milieu, quoi. Merde. Un peu con. Bon, bah. Les colonnes ne sont pas bien placées, du coup. Ah! Ceci est un petit peu contrariant. Ceci est un petit peu contrariant. Bon. Pour l'instant, on va le mettre en plein milieu et puis réfléchir plus tard. Hop. Au feu, les pompiers. Ben oui, forcément. Ah, fait chier, ça c'est chier. Hop. Attaquer. Non, pas attaquer, mais ignorer. Tac. Voilà. Ok. Bon, vous allez m'effacer tout ça là, virer tout ce feu. Hop. Hop. Et m'éteindre ça. Crise de foi pour Barra. Illumination artistique. C'est qui Barra? Ouf. Ouais, certitude 0,19, ça fait pas lourd. Tant que ça reste. Ouais, Célestine est guérie. Très bien, il s'est mis à pleuvoir. Le feu s'arrête, retiré de la zone de base, tout ça. Hop. Et on va mobiliser tout le monde. Tac. Hop. Allez, on va faire une petite sauvegarde parce que quand même ça risque de péter un peu fort. Tac, sauvegarder. Alors, nous avons Damnamit qui va s'installer là. Nous avons Papillote qui va s'installer là. Scorpicon qui va péter la gueule du faucheur. Moussarazé ici. Célestine, tu vas aller là. Odaf, derrière. Akatsuki, ici. Ensuite, Onyx, là. Mangazor, là. Slovet également. Toshiro, derrière. Zmoï, au contact. Tac, hop. Hop. Ardarine, ici. Smarty, là. Et Lourie. Last Mist. Allez, c'est parti. Attaquer. 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 Tac. Tac, tac, et c'est bim bim bim. Akatsuki en prend plein la tronche. Damnamit a déjà terminé le sien. Tac. Hop. Hop. Smoy, hop. Voilà, ouais, c'est efficace quand même, hein. Bordel. Hop. Hop. Tiens, y a-tu. Smile, tu veux me sauver, Akatsuki. Non, Smile, tu vas lâcher Akatsuki. Et tu vas rentrer. Et Onyx, tu vas rentrer. Rudolf aussi, Célestine, t'as pas beaucoup. Hop.
Secourir. Tac. Et ensuite, on autorise tout ça. Et on fait transporter tout ça. Alors, qu'est-ce qui peut... Ah, j'ai rien pour stocker les... ces bestioles-là. Attends, ceci dit, j'ai pas d'urgence. Les seuls qui sont vraiment urgents, c'est ce qui se détériore dehors, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire ça, c'est ça, et c'est tout. C'est pas très généreux, là. Hop. C'est ça que je voulais faire. Ok. Bon, problème réglé. Alors, la chambre est toujours indigne. Morgane nous termine ça. Alors, il nous faut mettre au sol que des trucs. Enfin, est-ce que j'ai plein de tissus? J'ai 737 de tissus. Est-ce que ce sera suffisant pour faire... Alors, je peux faire de... Ah oui, mais non, j'avais déjà ici que je vous... sur lequel... alors, je pourrais faire des plaques hexagonales en acier, moi. C'est quel genre de beauté ça, plaque hexagonale? Esthétique 3. Oh, pas mal. Par rapport à nos... notre moquette hexagonale, par exemple. C'est 4. Ah. Tiens là, et donc il va falloir que je fasse aussi de la moquette hexagonale ici. Donc on va faire comme l'autre, on va commencer par aplanir. Ok, et par interdire. Tac. Autoriser. Donc ça c'est réglé et il va me falloir donc un lit royal. Lit royal, mobilier, lit royal. Alors, en quoi est-ce que je vais te le faire? Je peux te le faire en calcaire pour ne pas changer. Ce sera sans doute en calcaire. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus classos, mais bon. Tac. Il te faudra une table de nuit en calcaire. Tac. Une commode en calcaire. Tac. Ils ont toujours pas ramené Katsuki, 11h. Il a perdu quelque chose. Non, c'est bon. Il en faut d'autres à Katsuki. Voilà notre beau piano. Ah, sinon, en fait, il faut que je fasse. Ah, mais j'ai plus de. T'as une inspiration artistique, c'est bien là, Katsuki. J'ai toujours su que tu étais un artiste. Avec 14-22, quand même. Tu peux me faire des trucs pas mal. J'avais vu que Papillote avait moyen de lancer une conversion. Alors, toi... c'est lesquels ceux qui... Gardien, c'est DJ Jack et Kuba. Jack, DJ et Kuba. Alors, Kroaga. Convertir, ok. Et de la pin, convertir aussi. Il va me falloir plus de marbre, donc. Est-ce que j'ai moyen d'avoir plus de marbre? Pas dans l'immédiat. Est-ce que j'ai encore des cailloux de marbre quelque part? Oui, ça.
sont des cahiers de marbre. Là, c'est une zone qui n'a plus de raison d'être. Écureuil enragé. Tadala. Et un petit raid. Waouh. Avec plein de gens que je connais. Barakroga et Moussaragui. La tante de Moussarazé, la sœur de Bara. Alors Bara, je m'en fous, enfin, si ce n'est que ça ne va pas améliorer son moral. Bon, pour Moussarazé, il va peut-être pas être très jouasse, mais bon, on va faire avec. Hop, putain de merde. Smoy, tu lâches ce que tu as. Et tu te barres. Barre-toi même par là, en fait. Tac. Tac. Bah, ah merde, il est touché. Une grossiste. Le prix touché à la main gauche. Alors il faut que je fasse gaffe. Zone, est-ce que j'ai une zone safe? Moi, je suis même pas sûr. Toc, zone sûre. Si, donc il faut que je tape tout le monde en zone sûre. Saloperie. Attends, je peux augmenter ma zone sûre d'ailleurs. Tac, zone sûre. Je peux rajouter ça. Grossiste, papillote. Ah oui, j'avais l'histoire de la conversion aussi. Est-ce que je peux déjà... je vais pouvoir t'acheter... J'ai des sous, pas trop. Pour avec. Faut que j'achète du tissu. Parce que j'aurais besoin de moult. Hop. Qu'est-ce que je peux en vendre? Alors, est-ce que j'ai des choses horribles à revendre? Oui, mais il n'est pas intéressé. Est-ce que j'ai des choses médiocres? Non plus. Est-ce que j'ai des choses normales? Oui. Tac. Tac. Est-ce que j'ai des choses bonnes? Plein de bonnes choses. Bien. Tac. Allez, avant tout. Tout ce qui est bon. Donc, hop. Ça. Très bien. Comme ça, c'est lui qui me donne des sous. Ah oh putain, 619 le grand sculpture de jade, sympatoche. Composants, c'est, je n'en ai qu'un, c'est une erreur. J'en ai maintenant deux de plus. Composants, non, moi j'en ai 45, ça va. Médoc. J'en ai pas mal, je crois. Plastacier. C'est pas non plus à portée de mes... Je crois que j'ai un gros 6, j'en avais eu un il n'y a pas longtemps. Hop. Est-ce que je lui revends encore des petites choses là? Allez, tac. Garde les adultes. La boule, la thune. Fauteuil en diable étoffe, quel gâchis. Oh la vache. Allez, pouf.
Convertir. Qui est-ce que j'étais sur le point de convertir? 99. Katsuki, 100%. Mais lui, on a dit qu'on ne touchait pas trop. Mangazor, 100%. Luri, 100%. Zikino, 31%. C'est toi qui va passer. Hop. Pas tout de suite. Tac. Bim. Voilà. Parfait. Donc l'écureuil, bah écoute, il va aller s'énerver contre qui de droit? Les indigènes lancent l'assaut. Alors, par où est-ce qu'ils vont passer? Ils font tout le tour, c'est très bien. Ils vont aller se taper contre l'écureuil. Le grossiste, je peux le renvoyer. Ah, est-ce qu'il... Ouais, d'accord. L'écureuil, il a vu passer un troupeau. Katsuki va rester là où il est. Aussi, de toute façon, a priori, je vais avoir plus besoin de tireurs. Tac, allez là, les gens. Alors, Zikino, Smarty, Célestine, tac, Onyx, tac, Morgane, ici, Rudolf, là. Mangazor. Hop. Je l'ai pas mis. Papillote, Moussardier, Oslovet, tac. Alors, Toshiro, tu vas reculer d'un cran. Là, ouais. Rudolf. Se dire que tu as rien risqué. Delmenhorst. Tac. Allez, c'est parti. Tac. Bim. Putain, ils ont que des armes de merde. Ouais, du coup, maintenant, ils peuvent se placer là. Chut. Bim. Bim. C'est l'embouteillage. Ouais, non, c'est pas terrible en fait les. C'est pas terrible. C'est tout naze. Merde, putain. C'est naze. Ouais, il n'y a que ceux en ligne, directement en ligne droite qui peuvent tirer. Ouais, du coup, en fait, les tas de sable, c'est pas terrible. Bon, bah, c'est un échec. Ah, il commence à être assez proche. Plus le bête. Pas de rentrée. Onyx va soigner. Du coup. Oui. Oh putain. Ah ouais, la vache. Bon, c'est pas du tout optimal. Fais chier. Broudaf va soigner aussi. Perforation au cœur, quoi. Tac.
Onyx, tac. Tac. Une idée insulte pour papier, mais tout cela est si bien raisonnable, sérieusement. Eh, n'importe quoi. Merde. Il est où mon post-levette? Non mais t'es sérieux toi? Se reposer le bruit. Don't die on me. Le mec, il a le cœur qui est perforé. Mais non, il se balade. C'est normal. T'as jamais il fuit quoi? Ah si quand même. Hop, Boulaf. Pardon. Excusez-moi. Bon. C'était pas tip-top comme gestion de combat. Peut mieux faire. Clairement mieux faire. Célestine, va te rentrer. Ardarine, va te rentrer. C'est quand même pas très très grave si j'en souviens. Ils sont des juste celui-ci. Dame, voilà. Alors, j'en ai éventuellement sauvé deux. Billing out in 2 heures. Ouais, pas terrible. Et toi, de toute façon, j'ai plus de. J'ai déjà plein de gens à recruter. J'ai plus de chambre, je crois. Si j'en ai éventuellement une là. Sauf que j'ai plus assez de marbre pour le faire. Je peux faire une toque. Oublié, je vais y arriver, lieu de couchage. Une zone de prélèvement pour les prisonniers. Hop, Dynamite. Je vais me capturer. Machin là. Capturer. Et toi, même si t'es bien. Ouais, en plus t'es pas terrible. Donc. Hop, Moussa rasé. Tu veux mieux capturer. Inébranlable en plus. Hop. Mais qu'est-ce qu'il me faut? Pourquoi est-ce que. C'est quoi ce bordel là? Pourquoi est-ce que patients, ils ne me font pas en priorité? Prioriser urgence. Bon, c'est vrai, il est juste en train de mourir dans 2 heures. Pas grand-chose. Hein. Il a juste une flèche dans le cœur. Franchement. Plein de gens qui se sont très bien portés avec ça. Ah! Alors. D'accord, en fait, je peux en mettre deux là. Opération.
Fais-moi un poumon, fais-moi un rein. Fais-moi un cœur. Allez, tac. Fais-moi un poumon, fais-moi un rein, fais-moi un foie. Et un cœur s'il y arrive encore. Ne pas nourrir. Il est bientôt mort. Tac, tac, rien. Et qui est-ce qui va aller l'opérer? Je sais pas si Onyx elle a encore des debuffs. Et là, un compresseur, le chef exorciste. Ouais, c'est bon, maintenant elles sont cognes. Hop. Broudaf, tu m'annules ce bâtir. Broudaf, tu peux me... Attends. Tu vas mettre aucun soutien médical. Aucun soutien médical. Tac. Voilà, par contre. Ah oui, du coup, je peux pas l'opérer. Ne peut pas récolter pas de médicaments. D'accord. Ok, donc. Un médecine à pire, je suis obligé. Opérer. Ionix, opérer. Opérer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, maladie grave? Oui, il y a une maladie grave, c'est que tu vas plus avoir de... Putain, ça me saoule. C'est mal géré, ça. Mangazor, merde, pourquoi t'es pas démobilisé toi? Ah. Violette est décédé. Oh, quelle déception. Bon. Ah, du coup, Barre est pas content. Ma soeur Violette. Ah merde. Oups. Hop. Et qui a, est-ce qu'il y a, hop, qu'est-ce que t'as encore? Parfait. Hop, Onyx. Non. Putain, mais qu'est-ce qui se fait? Chier, je te jure. Qu'est-ce que tu me fous? Onyx. Opère-moi celui-là. Et le dernier. Bara, surtout, t'inquiète pas, hein, tout est normal. Bim. Hop là. Croc, c'est derrière. Pourquoi est-ce qu'il me fait pomme de terre là? Mais non. Supprimé. Vikino, t'as pas de chambre? Bah. Ah merde, c'est en dehors de la zone sûre. Bon, ceci dit, de toute façon. C'est qui mes psychopathes déjà? Mes psychopathes, c'est Damnamite. Damnamite. Smoy. Et Mangazor. Allez, 3. Smoy. Damnamite. Et Mangazor. Ok. Donc Zikino, tu te réveilles et tu vas... Bon, pas dormir en bon ordre.
Ah, c'est quoi? Ah oui, sa sœur est morte, mais il y a plein de rivaux qui sont morts avec. Alors, vous allez. Il faut que j'autorise tout ça. C'est quoi cette idée? Hop. Avec cette smoke leaf. Attends, j'ai encore mon grossiste peut-être. Plus grossiste. Dommage. Snow est totalement guéri. Formidable. Bon, alors il s'en remet bien sa flèche dans le cœur. Hein. Est-ce qu'il me stocke les... Tiens, d'ailleurs, tout ça, je peux le démolir. Là, je pourrais mettre également... Ah non, parce que les cadavres mécanoïdes, c'est là que ça se fait. Hop, cadavre de... Mécanisme, si c'est accepté. Smarty pris au piège. Bah, t'es pas très smart, hein. Un colon a besoin de soins. Oui, bah, je sais, j'ai repéré. Bon, donc on a dit que ça c'était tout pourri en fait. Je vais le garder ici. Hop, je vais déconstruire tout ça. C'était pas un bon plan. Crise de colère pour Postlevette. Allez. Donc tu ne fais pas une nouvelle addiction à l'alcool. Ah putain, j'ai pas de bouffe. Gazor, qu'est-ce que tu fais? T'as des plats maintenant. Oh putain, encore une infestation. Merde. Ah, ça les enchaîne, hein, bordel. Tac. Allez, on prend. Putain, oui, il est déjà guéri. Vache. Eh ben, on va prendre tout ce beau monde, hein. On va prendre tout ce beau monde. Une petite sauvegarde. Là, maintenant ouverte. Ah putain, même ici, on pop. Oh, fais chier. Tac. Tac. Oui. Tac. Papillote, tu vas reculer. Et hop.
Ouais, c'est géré. Bon. Smoy, tu recules. Et on défonce tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tac. Et vous, c'est bon. Vous pouvez. Attends, il faut juste que je fasse un achevé. Voilà. Hop. Celle du trône va peut-être être un peu indigne. Merdarine, du coup, se met à faire son lit royal au milieu de ce bordel. J'adore. J'adore. Un refuge pour des membres de la famille royale. Eh ben, vous savez quoi? Je vais m'arrêter ici. Parce que bon, on a quand même eu pas mal d'actions. Trois combats en un épisode, ça me semble pas mal. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser des noms si jamais vous voulez participer à l'aventure. Puisque je crois que j'ai plus beaucoup de noms sur ma liste. D'ici là, d'ici le prochain épisode, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!